On recharge de plus en plus d'objets par induction et il existe sur le marché toute une série de chargeurs qui fonctionnent selon ce principe-là. Ce qui a donné l'idée à mes petits camarades Sébastien et Marc de vous parler de leur expérience des chargeurs à induction avec un petit comparatif à la clé. Si vous cherchez des accessoires de ce genre-là, à mon avis, ce hors-série-ci va vous intéresser. Recharge par induction. Moi, le premier truc à recharge par induction que j'ai eu, c'était une brosse à dents électrique. Je me rappelle. Mais ça s'est démocratisé. Ça se retrouve maintenant sur certains appareils, comme des smartphones, par exemple. Pas celui-ci, mais les Samsung, par exemple, permettent ce genre de fonction. Mais comment est-ce que cela fonctionne-t-il ? Retour peut-être sur la théorie avec Marc, pour commencer. La recharge par induction, ça fonctionne comment, quoi ? Interro-surprise. Alors, la recharge par induction, c'est une recharge d'abord sans fil. Oui, sans contact, quoi. C'est la base. Oui, sans contact, presque, on va dire ça comme ça. Donc, grosso modo, ça fonctionne avec un émetteur, qui est la partie qui va charger, fournir la charge, et un récepteur qui est généralement connecté à la batterie du truc que vous voulez charger. Voilà. L'émetteur va créer dans une bobine un champ électromagnétique. Ce champ va être récupéré en vertu d'une théorie physique électromagnétique qu'on appelle la loi de Coulomb, va être transmise par rayonnement électromagnétique vers la bobine du récepteur, qui va le convertir en énergie électrique et alimenter donc la batterie du truc auquel il est connecté. Ça, c'est pour la théorie. À côté de ça, il y a différentes variétés de chargement à induction. Celui que nous utilisons, nous, ici, pour les téléphones qu'on va vous présenter avec les différents chargeurs, c'est ce qu'on appelle une induction par contact, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un contact physique entre les deux appareils. Oui. Mais il faut savoir qu'en théorie, les chargeurs à induction pourraient fonctionner sur des distances qui vont jusqu'à... Alors, ceux du moins que nous utilisons, 40 mm. D'accord. Donc, on pourrait avoir un système où le GSM ne touche pas forcément le chargeur. Évidemment, l'intensité de la charge varie en fonction de la distance à laquelle la bobine émettrice et la bobine réceptrice sont. Bon, cette proximité n'étant pas un problème physique en soi, autant qu'on optimise cette charge en ayant ces deux bobines, puisqu'il s'agit de deux bobines en quelque sorte, qui soient les plus proches possibles l'une de l'autre. Ça permet, ça, vous avez tous compris l'avantage du truc, de ne pas avoir de connectique, de petits connecteurs à brancher, de petits bitoniaux à brancher sur le smartphone, alors que Marc me fait des signes non. Oui, parce que quand même, pour terminer sur la partie théorique, il faut quand même signaler que la technologie utilisée aujourd'hui n'est pas récente, parce que ça fait plus d'un siècle quand même que les ingénieurs et les scientifiques étudient le principe de l'induction, et que voilà, ce qu'il y a maintenant, c'est que cette technologie a été standardisée, et il y a un standard qui s'appelle le standard Qi, et qui effectivement équipe aujourd'hui la majorité des chargeurs avec un set de composants et de protocoles standardisés. D'accord. Voilà, simplement. Ok. Ça, c'est la théorie. De la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas, qui nous amène chez Sébastien, qui, chaque fois qu'il voit un chargeur à induction, lui se dit « tiens, je vais le tester ». C'est un toc, en fait. C'est un toc chez lui. C'est dès qu'il voit un truc qu'il n'a pas encore, il l'achète. Il n'est pas le seul. On en a quelques-uns. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça a commencé avec le Galaxy S4, je pense. Ou S5, j'ai un doute maintenant. Ça fait longtemps, même. Le 5. Le 4 n'était pas chargeable par induction, je crois. Et alors, effectivement, tu avais un téléphone qui, tu l'achètes, ne l'était pas. À la base, il n'est pas chargeable par induction. Ouais. Mais en achetant une petite coque, chez Samsung à l'époque, donc tu pouvais rajouter le rechargement par induction sur ton petit téléphone, et la coque rajoutait à peu près 50% de poids à ton téléphone. Ça, c'était toujours sympathique, parce que tu as toute la technologie pour faire papoter avec ton chargeur était se trouvait dans la coque qui après remettait tout vers la batterie. Enfin bref, c'était assez mastoc, quoi. Tout ça pour ne pas avoir à brancher un simple
câble USB pour charger son appareil. Mais comme tu... Moi, si je dois le brancher à chaque fois que je le dépose sur le bureau, bah écoute, ça m'emmerde à la fin de la journée. Ouais. Surtout sur ce modèle-là, ou parce que, si je me rappelle bien, c'était sur le S5, tu avais un truc à enlever au niveau du câble USB parce que c'était étanche, et donc c'était vraiment pénible. Ouais. Et donc, je me dis, bah voilà, on va passer à du sans fil, on va sur l'avenir. Et puis, ça charge tellement moins vite. C'est l'avenir. et c'est vrai, ça charge quand même nettement moins vite qu'un câble. Faut le dire tout de suite. Hein. Donc, si vous voulez quelque chose qui va vite, mettez un câble. Mais l'énorme avantage pour moi de ce genre de truc, c'est que j'ai ça sur mon bureau au PC. On est quand même assez sédentaire. Et donc, dès que j'ai fini ma conversation, que j'ai plus besoin de mon téléphone, je le pose sur le desk et il recharge en même temps. Et donc, j'ai toujours quasi un téléphone qui est chargé à 100%. Alors, le premier chargeur que j'ai eu, c'était le gros chargeur plat de Samsung, hein, le chargeur pad, qui pour moi reste au final, après tout ce temps, un des meilleurs chargeurs que j'ai eu en chargeur sans fil, parce que c'est génial avec son plateau, tu peux le mettre quasi ton téléphone dans n'importe quel sens, tu le déposes, et il charge tout le temps. Ça c'était, et c'est pas parce qu'il est écrit Samsung dessus en grand que vous ne pouvez pas mettre un autre téléphone dessus, il n'y a pas de raison. Et puis j'ai le truc de voyage que j'ai acheté. Alors il faut savoir combien ça coûte cette bricole, c'est un truc qui vaut entre 20 et 30 euros, hein, donc on n'est pas sur des budgets incroyables. Non, parce qu'il n'y a pas d'électronique en tant que telle à l'intérieur du truc, c'est une bobine en fait qui est à l'intérieur, un bout de plastique avec du cuivre à l'intérieur. Il y a un petit circuit qui régule la charge quand même. Ah, quand même. Donc il y a quand même un petit peu de... Et puis ça fait chaufferette aussi. C'est sympa. Aussi. D'accord. Ça fait chaufferette. Ouais. Hein, ça chauffe un tout petit peu. Et maintenant, comme sur les tout derniers S7, S6, c'est embarqué dans le téléphone, vous n'avez plus besoin, je vous rassure, il n'y a plus besoin de... Oui, c'est ça. On l'a tous de base sur le Samsung et sur plein d'autres téléphones. Et donc ça, c'était 20 euros. Je me dis, 20 euros pour partir en voyage. Moi, ils sont tous chargés, tous placés un peu partout chez moi. Hein, parce que partout où je vais, où je mon téléphone, j'ai mis un chargeur sans fil, évidemment, hein, c'est tiens, comme ça. Là, je pose souvent mon téléphone. Je dois vite acheter un chargeur pour mettre à cet emplacement. Donc, j'en ai quelques-uns, mais j'ai celui aussi qui est préparé pour le sac de voyage. D'accord. Parce que quand je vais en voyage, il n'est pas question que j'enlève ceux qui sont placés partout dans la maison, au cas où je continue à les charger avant de partir en voyage. Par exemple. Donc, j'ai mon petit chargeur de voyage qui est acheté à je ne sais plus, 3 ou 4 euros sur un truc en Chine, et qui est très pénible parce que d'abord il s'allume tout bleu. Je trouve ça c'est vraiment horrible parce que tu mets ça dans ta chambre, t'as tout un halo bleu en disant mais ta gueule. Et puis surtout si tu mets pas bien ton téléphone juste au bon endroit, eh ben il charge pas. Ah, donc là c'est vraiment d'avoir une question. Je tiens à signaler que pour Sébastien le bleu fait du bruit. Le bleu fait du bruit. Oui, puisque ça l'empêche de dormir. Ça m'empêche de dormir, bien sûr. Le bleu m'empêche de dormir. Et donc, si tu ne places pas ton truc exactement au bon endroit, ton téléphone ne charge pas et le matin, tu te réveilles et il n'est pas chargé. Ça c'est moche. Et donc, t'es couillonné. Et donc ensuite je suis tombé sur, alors là j'ai juste une photo, je sais pas si tu as le truc non, sur le titre. Non, je la montre, oui, la voilà. Et donc le titre, c'est un truc que j'ai trouvé, c'est une marque californienne qui fait des chargeurs qui coûtent un avion de chasse, parce qu'à l'époque ils étaient à presque 100 euros le chargeur, donc je me suis fait mal. Et maintenant il coûte plus que 40-50 euros, donc je vous rassure, ça vous fait moins mal. Ce chargeur a l'énorme avantage d'être posé comme étant comme un pupitre. Ouais. Donc vous allez pouvoir poser votre téléphone et vous allez pouvoir regarder votre téléphone même si il est posé juste devant vous, ce qui quand tu es sur un bureau, honnêtement, c'est pas mal. Et d'un confort assez incomparable. Et donc celui-là, c'est un truc vraiment classique, droit, carré, et tu sais pas te planter, tu mets toujours bien ton téléphone et il n'en tombe jamais. Donc l'angle est parfait et le rebord en dessous pour le tenir est parfait. Donc franchement, pour moi, ça reste le meilleur chargeur, ce que j'ai déjà dit pour l'autre. Hein. mais ça, c'était mon premier coup de cœur. Celui-ci fait un peu plus que chargeur, quoi. Il fait présentoir.
C'est ça, avec le présentoir. Ça, c'était mon premier coup de cœur. Et l'autre, c'est maintenant, si je pouvais, si j'étais riche, j'en aurais mis le tilt un peu partout. Ouais. Et comme il y en a un nouveau qui est sorti chez Samsung, je me suis dit, bah, je vais l'acheter aussi quand même parce qu'il a l'air bien. Quand je vous dis que c'est un toc. Et puis, il est écrit fast charge dessus. Alors, fast charge, voilà, je vais pouvoir bien trouver un endroit où ça va être super, je vais pouvoir le mettre. Un endroit où tu restes pas longtemps, genre les toilettes. Non, fast charge, je me dis, c'est l'endroit nécessaire, c'est dans la chambre quand je dors, parce que là, ça doit charger vite. Ouais. Donc, c'est là que je l'ai mis sur la table de nuit, hein, donc je suis quelqu'un de très logique. Et Steve vous emmerde. Pas de lumière bleue. Pas de lumière bleue, donc ça, c'est génial. Il est en plus, c'est un câble micro USB pour le charger, pas comme le Tilt, parce que le Tilt, c'est un câble spécifique, c'est chiant. Et par contre, ce qui est très chiant, c'est comme vous le voyez, le design est très sympathique, sauf que l'endroit, le petit rebord pour poser votre téléphone, il est à peine... Bah, je vais reprendre un téléphone, justement, pour le taper dedans. Il est il est à peine plus large que le téléphone, puis même en épaisseur, il reste 3-4 mm. Ouais. Et donc, il m'est déjà arrivé d'avoir très chaud, alors que je n'ai que ce truc que depuis un mois, pour mon téléphone en le posant sur le chargeur, en me disant « Putain, j'ai perdu mon téléphone !» Donc, il est très joli, il est très sexy, mais c'est plutôt à mettre sur un desk que sur une table de nuit qui est un petit peu étroite, parce que là, votre téléphone, il a plutôt tendance à se casser la gueule. Et alors, au niveau fast charge, honnêtement, comme je laisse tout le temps, toute la nuit, j'en sais rien. Je sais rien. Si ça se trouve, t'es pas encore endormi, qu'il est déjà chargé, ton smartphone. C'est tout ce que j'ai comme chargeur, mais je pense que c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Du côté de Marc, il y avait une expérience dans le domaine également. Tu charges aussi sans fil. Je charge aussi sans fil, autant que je peux, effectivement. J'ai converti. Alors, non, parce que je chargeais sans fil avant toi. Voilà. Je chargeais sans fil, en fait, à l'époque où j'ai commencé avec mon Nexus 5, qui était le premier téléphone à charge sans fil que j'ai eu. Et je n'ai pas acheté le chargeur Nexus officiel qui coûtait aussi un avion de chasse. Je me suis tourné vers l'importation chinoise et j'ai pris ce bidule-ci, qui est en fait un chargeur compatible QI. C'est la fameuse norme dont je vous parlais il y a 2-3 minutes. Ouais. C'est un chargeur tout ce qu'il y a de plus standard, qui ressemble très fort au chargeur de Samsung, le premier que Sébastien a eu. Pas avec un port micro USB pour la charge, il y a quand même un chargeur avec un petit bloc d'alimentation derrière, c'est un peu casse-pied. Et surtout, cette première génération de chargeurs a un potentiel assez désastreux dans la mesure où ils ont un défaut de conception, c'est la taille de la bobine. Donc il faut savoir que là, généralement, la zone qui est circonscrite par le petit dessin, juste en dessous, vous avez la fameuse bobine qui va émettre le champ magnétique. Seulement, d'ici, alors je ne l'ai pas ouvert, mais pour les expériences que j'ai faites, la bobine ne doit pas dépasser la taille du petit logo ici, ça, donc parce que un centimètre carré, tu le positionnes vraiment au millimètre près. Et puis le revêtement est extrêmement lisse, c'est un cul de bébé, donc si vous avez le malheur de l'avoir sur une table qui est un peu décentrée, votre téléphone se fait gentiment la malle tout doucement et vous le trouvez pas comme sur un drap de soie. Voilà, exactement. C'est du chinois qui à l'époque coûtait une dizaine de dollars. Voilà, c'était vraiment n'importe quoi. Alors par la suite, j'ai eu un LG G3. Là, j'ai acheté avec le petit chargeur qui était dédié, qui était construit pour ce téléphone-là, avec la même découpe de la base, puisque vous vous rappelez, le LG G3 avait une base un peu arrondie, donc il venait vraiment bien à se mettre. Il chargeait vachement bien, mais il coûtait cher quand même, 60$. Le LG G3 a vécu, c'est mon fils qui en a hérité. Mon fils en a rien à foutre de charger son téléphone sans fil, lui, il y va comme un bourrin. Donc, quand j'ai eu le Samsung, il a bien fallu que je retrouve un truc. Alors, j'ai évidemment ressorti celui-là, mais je l'ai jeté au bout de 5 minutes, parce que j'en pouvais plus. Donc, Sébastien, m'ayant montré son avion de chasse bleu qui fait le café et tout à 100$, ben, m'a inspiré pour trouver un truc plus ou moins du même style. Et donc, moi, je me suis trouvé ceci. Alors ça, c'est un avion de chez Amazon. C'est un truc d'une marque qui s'appelle RAV Power. C'est, alors, voilà, c'est la même chose. C'est un présentoir qui a la possibilité d'avoir... Un présentoir de voyage. Deux angles de position. Donc, vous pouvez le mettre soit en position légèrement relevée, soit en position un peu plus penchée. Alors, chose assez intéressante, selon la position sur laquelle vous allez le placer, vous avez deux emplacements pour brancher votre câble. Soit un ici, soit un ici. Ça vous permet de ne pas avoir un gros paquet de câbles derrière et de le mettre proprement. Autre avantage, le revêtement est antidérapant. Donc, il ne bouge pas. Aussi, grand avantage, il y a une belle bordure, donc le téléphone ne se casse pas la gueule, il tient très bien. Et puis surtout, énorme avantage, il y a trois bobines sur celui-là. Donc, quelle que soit la hauteur de... La manière dont vous mettez votre téléphone, à savoir, comme ça,
comme ça. Ça marche, ça charge. Voilà. Fils. Petit défaut, mais ça je suppose que c'est propre à tous les chargeurs, ça chauffe. D'accord. Ça chauffe à tel point que si vous l'oubliez le temps, un temps plus long que celui nécessaire à une charge, ça fait, ça réchauffe les mimines. Hein, d'accord, ouais. Rappelons que c'est la même technologie que les plaques à induction qui vont bien avec les casseroles à gros... Voilà. Exactement. Donc, petit détail, cette technologie qu'on pourrait croire effectivement, bon, pour la chauffe, elle est utilisée au niveau de tout ce qui est cuisine. Pour le chargement, on le rappelle, pour des appareils qui ont un besoin de maximum de 5 watts, tels que les smartphones, les appareils photo, les télécommandes, puisque ça existe aussi des télécommandes avec chargement sur induction, Logitech en fait, on a cette norme QI qui est devenue une norme standard. Je crois que même Samsung utilise d'une manière ou d'une autre les spécifications de cette norme. Mais à côté de ça, il y a d'autres utilisations du chargement sans fil, et une qui va peut-être vous faire marrer, c'est celle des voitures. Ah oui. Volvo ont mis en place une voiture, un modèle qui se charge par induction. Et en fait, dans le sol, vous avez un énorme électroaimant qui va émettre donc une charge électromagnétique qui va être récupérée par un convertisseur courant continu, courant alternatif pour charger une batterie par induction avec à peu près ça de distance entre les deux. Voilà. S'il y a un cafard qui passe, je ne garantis pas qu'il va survivre. Parce qu'à mon avis, l'intensité du champ vertical doit quand même être assez colossale. Ouais. Mais ce type de technologie garantit pour une batterie de 20 kW, qui est quand même pas mal pour une batterie de voiture électrique, une charge complète en 1h20. D'accord. Ça doit frire pas mal. Ouais. Mais donc voilà. Et avec un rendement qui ne doit pas être super, super non plus, hein, parce qu'il y a une grosse perte, hein, une grosse déperdition. Donc, Mais ça chauffe ta maison avec. Ça peut chauffer ça chauffe ta maison. Ça chauffe ta voiture. En fait, c'est ça qui alimente les sièges chauffants. C'est un autre domaine du champ magnétique, c'est les fours magnétiques hein, pour fondre du métal. Les fonderies, certaines fonderies électriques utilisent. Voilà. Les champs magnétiques. Voilà. Donc c'est quand même. C'est puissant, quoi. C'est ça qu'on voulait vous dire. C'est décapé. Voilà. Donc on a fait un peu le tour de cette technologie avec des outils, on l'a bien compris, il y a tous les prix de 20 à 100 euros, hein, je ne dis pas de bêtises, en sachant que ce n'est pas nécessairement le plus cher qui est le plus efficace, si je comprends bien, hein, je fais vite la synthèse du truc. C'est une question de point de vue, hein, parce qu'il faisait allusion à son truc anti-dérapant, je ne l'ai pas mentionné. Toi aussi, tu as un truc anti-dérapant, oui, c'est nickel. Si moi, je suis fier avec mon truc anti-dérapant. Mais de mon point de vue, mais alors c'est des questions de goût, hein, le plus cher restera mon meilleur parce que t'as le bord de chargeur de marque est quand même réduit par rapport au tilt. Tu vois, et le tilt, oui, c'est la technologie californienne. T'as la plus grosse, ok. Non, je rachèterai le tilt. Par contre, je voudrais quand même dire, ils font des couleurs de chiottes. Je pensais qu'ils faisaient que du bleu. Et donc j'ai acheté du bleu, mais maintenant je vais découvrir avec le podcast qu'ils font aussi du noir. Mais le bleu est à chier. Donc les couleurs sont à chier, mais le chargeur est génial. C'est les couleurs primaires. Si j'achète le noir, je te prends le bleu au quart du prix, ça va? Bon. Ce sur quoi vous devez surtout faire attention si vous voulez acheter. Alors, prenez d'abord un chargeur qui soit compatible avec le standard Qi. Ça va vous assurer un matériel quand même relativement convenable. Et puis surtout, faites attention dans les spécifications sur le nombre de bobines. Choisissez plutôt un modèle avec 3 bobines. Ça vous assure de pouvoir taper votre téléphone dans n'importe quelle position. Voilà. Il chargera. Certaines montres aussi acceptent ce type de charge, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Oui, la Moto 360, l'Apple Watch le fait. La UA Watch qu'on avait testé aussi. Et puis, il existe toujours des coques, et c'était le premier exemple que tu nous avais donné. Ça existe aussi, toujours, hein, je pense, des coques pour n'importe quel smartphone qui permet de faire une charge par induction. Il existe aussi des chargeurs pour voitures. Aussi. Des meubles IKEA. Et des meubles IKEA, et des lampes avec... Il faut ça encore ? Je pensais qu'ils avaient retiré ça de la gamme. Les meubles. Vérifier. Les meubles à induction. Pourquoi pas. Par contre, j'ai jamais essayé, cuisine. J'ai jamais essayé de poser mon téléphone sur une taque. Non, justement, je pense qu'il vaut mieux pas. Moi, j'éviterai en tout cas, parce que je pense que c'est pas une bonne idée. C'est pas la même norme. On va je le pense. Faire avec son téléphone. Oui, moi, et la plaque de madame.
Ok, ben, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Sur le coup, là, si ouais. vous vous posez des questions concernant ces charges et ces chargeurs qui ne sont pas de la marque de l'appareil que vous avez acheté, est-ce que ça fonctionne ou pas ? Oui, ça fonctionne si vous respectez certaines normes, comme Marc nous l'a indiqué, et puis certaines fabrications sont plus intelligentes que d'autres, et certains tarifs sont plus intéressants que d'autres, et certaines couleurs sont plus belles que d'autres. Aussi. Et les Chinois aiment la précision. Et les Chinois aiment la précision, Sébastien ouais. aussi, manifestement, et les trucs qui... dérape pas. Voilà. Merci à Marc, merci Sébastien, et puis oui. si vous avez des questions, des propositions à nous faire, n'hésitez pas, enfin, si elles sont honnêtes, bien entendu, on essaiera d'en parler dans ce podcast. À très bientôt, au revoir.